Comment allez-vous à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on aurait dû être à la bibliothèque. Hoy se supone que teníamos sesión de cuentacuentos en la biblioteca, pero ya sabes, nos tenemos que quedar todavía en casa. Así que os propongo los cuentos desde casa. Va a ser un poco más complicado, pero bueno, cuento con vosotros para participar igual y gritar y hablar en francés. ¿Vous êtes prêts? ¿Listos? Oui? D'accord. Alors, pour les contes, vous savez, on a les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes, la bouche fermée, les bras croisés. Vous êtes prêts pour le premier conte? Premier conte aujourd'hui, c'est celui d'une petite fille qui s'appelle Tine. Cette petite fille, ouïouïouï, elle a un problème. Elle ne veut pas manger à la cantine. No quiere comer en el comedor. Elle dit, Berk, ce n'est pas bon. Avec comment le défis? Berk, ce n'est pas bon. Allez, vous devez m'aider, hein, mais tenez qu'à ayudar, La petite fille Tine, elle adore l'école. L'encanta el cole. Elle est très contente, très bien. Mais quand c'est l'heure de manger, pero cuando llega la hora de comer, oui, 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 elle est fâchée. Très bien, très 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 fâchée. Parce qu'elle dit, Berk, ce n'est pas bon. Ah ouais? Berk, ce n'est pas bon. Très bien. Le premier jour de la semaine, comment je dis? Lunes? Très bien, lundi. Lundi, avant de voir le menu. Lundi, je vous dis le menu. The Mimosa. Huevos rellenos. Filet mignon avec haricots verts. Filete con judías verdes. Fruits de saison en dessert. Fruta de postre. Oui, 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 pauvre Tina. Non, non, elle dit Berk, ce n'est pas bon. Elle dit les œufs. Mais ce n'est pas bon, c'est dégoûtant. Mais d'asco, c'est dégoûtant. Non, les œufs, no quiere huevos. Et après, elle dit les haricots verts. Berk, ce n'est pas bon. Las judías que tienen hilos. Non, 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 non. Alors, elle arrive à l'école et on lui sert. Et là, elle est très fâchée. Mais bon, elle se dit, venga, voy a probar, porque si no me muero de hambre. Claro, es que tanto tiempo sin comer. Et elle commence à manger les œufs. C'est délicieux, il y a du thon. Qué ricos esos huevos, tienen atún. Délicieux. Et après, elle mange les haricots verts. Très bien, haricots verts. Et elle mange. Si no tiene hilo. Non, non, il n'y a pas de fil. C'est délicieux. Finalement, elle est contente. Al final, lo probó y le gustó. Ah, dis donc, je suis contente. Et un dessert, para el postre, vous savez ce que c'est? Un fruit de couleur jaune. Qu'est-ce que ça peut être, un fruit de couleur jaune? Citron, non? Limon, non? Vous avez trouvé? Oui? Une banane. Très bien. Délicieux. Là, elle est contente. Alors, on a lundi. Après lundi, c'est mardi, très bien, mardi. Je vous lis le menu. Allez, je lis le menu. En entrée, pâté. Comme en espagnol, facile. Pâté, pâté. Pas de mystère. Quinoa au poulet. Quinoa, comme en espagnol, quinoa. Poulet, pollo. Et en dessert, mousse au chocolat blanc. Mousse de chocolaté blanco. Mais Tina dit pâté. Comment on dit? Berk, ce n'est pas bon. Très bien. Et après, quinoa au poulet. Avec comment je l'ai fait? Berk, ce n'est pas bon. Ah non, 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 non. Quinoa, elle dit quinoa. Esto se parece a pastatina llena de gusanitos. Mira, se imagina con gusanitos. Des vers de terre. Non, 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 non. Mais bon, elle arrive à la cantine. Et là, il y a une autre petite fille qui lui dit, mais non! Quinoa, ce n'est pas des vers de terre, nos changusha, nos quinoa, ce sont des céréales. Oh, et Tine, elle adore les céréales, elle encantan los céréales. Alors elle goûte, et elle dit, c'est délicieux. Et elle goûte le reste, c'est délicieux. Et quand il arrive à casa, il fait, maman, 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 je veux du quinoa, je veux du quinoa. Que me hagas quinoa, por favor, s'il te plaît. Elle était très contente. Très bien. On continue la semaine. Lundi, mardi, et après mardi? Mercredi! Très bien! Alors, mercredi, elle est
Contente! Vous savez pourquoi? Parce que le mercredi en France, il n'y a pas école. Estamos contenta porque los miércoles en Francia, no hay cole. Et elle peut manger à la maison, puede comer en casa. Oh là là, elle est super contente. Regardez. Youpi, youpi, youpi. Vous savez ce que c'est son plat préféré? Su plato preferido. Steak haché, hamburguesa, avec de la purée. Mmm, c'est délicieux. A ti también te gusta, hein? Si? Oh, mi, me chifla. J'adore la purée, j'adore le steak haché. Mmm, délicieux. Alors, lundi, mardi, mercredi, après mercredi, jeudi. Oui, très bien, jeudi. Allez, je vous lis le menu. Je lis le menu, avec ce que je gusta. En entrée, salade verte. Ça va, salade. Métine, elle fait. Berk, je n'aime pas ça. Berk, ce n'est pas bon. Non. Et après, saucisse. Ah, la saucisse, oui, d'accord, elle est un peu contente. Et après, purée. La purée, si que le gusta. Pero este purée, ¿sabes de qué es? D'un légume de couleur orange. Qu'est-ce que c'est le légume de couleur orange? Comment je les lapins? Vous avez trouvé? Une carotte. Oui, des carottes. Berk, de la purée de carottes. Berk, ce n'est pas bon. Non, elle n'en veut pas de la purée de carottes. Et en dessert, du fromage. Ah, le fromage, elle aime ça. Donc, elle va de nouveau à la cantine. Et elle va à la cantine, elle est fâchée. Oui, très fâchée. Pero claro, no quiere morirse de hambre. Venga, voy a probar. Elle commence à manger la salade. Non, ça va, cette salade, elle est bonne. Si, si, non, non, c'est pas mal, non. Et après, elle mange la purée. Ah, ben elle est bonne, la purée de carottes. Si qu'elle gusta le purée de zanahoria al final. Ah, ben dis donc, je suis contente, j'ai bien mangé. Et en plus, comme elle a goûté, comme on l'a prouvé, pues le dan postre. Il savait qu'elle est dans des postres. Un helado, une glace, oui, 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 pour l'averlo probé tout. Génial, et elle est contente. Après, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et dernier jour de l'école, vendredi, très bien. Oui, oui, oui. Quelle horreur, qu'est-ce que c'est ça? Du poisson. Du poisson, très bien, du poisson. Alors, je vous lis le menu, quel est-ce que l'est le menu? En entrée, tomate. Bueno. Et après, poisson. Alors ça, c'est pire que tout, quoi. Peor que todo. Poisson, non, 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 non. Oh, j'ai envie de vomir. Quiero vomitar. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et après, il y a des pâtes. Mais non, je manque de pasta. Et en dessert, yaourt. Oh, non, non, non. Oh, regardez la tête qu'elle fait. Mira que carapone. Oh, quelle horreur. Il n'y a pas moyen de manger du poisson. Oh, secours, secours, secours. Mais bon, regarde, elle commence et la dame lui dit, ce poisson, il n'a pas d'arête. No tiene espinas, tranquille. Alors, elle goûte. Mmh, ah, si, il est bon ce poisson finalement. Si, 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 que está rico. Et elle mange tout, 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 tout. Et otra vez, se lo come todo. Y sabes que tiene de postre. Parce qu'elle a tout mangé. Oh, regardez, elle a un yaourt au citron, son préféré. Yogurt de limón, su preferido. Alors là, elle est très... contente. Et elle rentre à la maison. Et finalement, elle dit à maman, oh, je suis contente. Pero mira, qu'elle a posto maman. Eh oui, son plat préféré, des steaks cachés. Pero también, du poisson. Oui, 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 même à la maison. Incluso en casa ya come pesca. Oui, oui, du poisson. Et aussi, regardez, des tomates. Oh là là, elle est super contente. ¿Sabes qué pasa? Que desde que come en école, pues al final... le gusta un poco más todo. Y lo va probando. Y eso es lo importante. Hay que probar de todo. Y si nos gusta, genial. Y si no, pues mala suerte. Vamos a pasar hambre. Uy, uy, uy. Et trotte, trotte la souris. Mon histoire est finie. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Vamos a por otro? ¿Oui? ¿Cómo on dit? Un autre, un autre, un autre, un autre. Bien. A ver. Un autre. Ah là, celui-là, on va faire un petit peu de sport. ¿Estáis listos para hacer un poco de deporte? Que estamos todo el día en casa, hay que moverse un poco. ¿Oui? ¿Vous êtes prêts? ¿Prêts? ¡Oui! Bien, a ver cómo lo decís. ¡Oui! ¡Oui! ¡Genial! Allez, on y va. Oh, oh, ça, c'est un point de couleur. Quelle couleur? Amarillo. En français, jaune. Yeah. Très bien, jaune comme le soleil. Et ce point, alors là, il va falloir faire de la magie. Tenez, una barrita mágica en casa, a ver. Sí.
Si una de esas, por ejemplo, un palo o lo que sea. Oui, vous avez tous un bâton. Oui. Podéis darle al pause, correr a por el palo y volver. Sí, venga. Sí. Attention. Il va falloir faire de la magie pour que ce point-là, je veux qu'il aille en bas. Vous êtes prêts? En bas. Attention, il faut dire abracadabra en bas. Si, venga. 1, 2, 3. Abracadabra en bas. Waouh, la magie a fonctionné. Génial, le bouton il est en bas. Très bien, attention. Maintenant je veux qu'il soit, comment ça s'appelle ça hein? Au centre, très bien. Au milieu de la page, au centre. Attention, la même chose. Abracadabra, au centre. Tenez la barrita, listo. J'avais 1, 2, 3. Abracadabra, au centre. Attention, si ça fonctionnait, je sais pas. Oui, ça a fonctionné à moitié. Il est parti un peu vers là. Oui, 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 cette magie, elle est un peu bizarre. Attention, continue. Et maintenant, vous allez devoir faire un peu de sport. Vous êtes prêts pour faire de sport? Il va falloir faire des vagues. Vous savez faire des vagues? Ouais, très bien. Alors, à droite, à gauche. À droite, à gauche. Allez, tout le monde. À droite, à gauche. Hay que decirlo. A ver cómo lo decís. A la derecha, à droite et à gauche. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Génial! Attention. Oui, oui, oui. Il va falloir tourner. Vous êtes prêts à tourner avec les mains? Tourne, 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 tourne. Génial. Vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous voulez voir une autre? Vous voulez voir la suite? Oui. Attention. Oh là là, il va falloir faire un énorme cercle avec les deux bras. Vous êtes prêts? Je le fais avec vous. Comme ça. Ouh, très grand, 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 le cercle. Magnifique. Un cercle de couleur jaune. Oui, il y a beaucoup. Hein. Très bien, grand cercle. Oh oh, il est de toutes les couleurs. Quelle couleur? Jaune, bleu. N'importe quoi, bleu, Nathalie, n'importe quoi. Jaune, rouge. Jaune, bleu, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, bleu. Ah! Attention, vous êtes prêts? Rapide. Rouge, bleu, jaune, 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 rouge, bleu, jaune. Ouais, génial! Vous êtes trop fort. Attention, continue. Voilà, regardez. De nouveau, il est tout seul. Et vous savez où c'est qu'il va aller? Il a décidé de se cacher! Il joue à cache-cache! Esconderse! Jouer à cache-cache! Attention, il faut compter jusqu'à 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Et alors là, j'ai fait: j'arrive! Y'a voy! Oui, 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 l'oreille, vous l'avez trouvé? Il est où le point jaune? Savez d'où est-ce, hein? A ver, touchez, touchez! Et oui, il est là! Il est énorme! Yeah. Énorme le point jaune! Énorme! Très bien! Attention, vous voulez voir où il va? Oh, yo, 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 yo! Il dit, je vais continuer dans la montagne! Regardez! Oh, oh! C'est une porte noire! Attention, il faut faire... Toc, toc, toc! Il y a quelqu'un? Avec comment on les fiche ça? 3, 1, 2, 3! Toc, 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 y a quelqu'un? Hay alguien? A ver que no se ha oído muy bien, eh? Fuerte! Toc, 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 y a quelqu'un? A ver, abrimos, a ver si hay alguien. Oh, uy, 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 y a des escaliers tout noir. Il faut monter. ¿Te acuerdas cómo se decía en francés cuando hacíamos esfuerzos? Escalades! Oh, is la saucisse! Oh, is la saucisse! Oh, is la saucisse! Bien! On est arrivé tout en haut! Mais attention, vous voulez voir ce qu'il y a derrière? Oui, 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 il y a des monstres! Ah, des monstres! Rapide, rapide, rapide! Cours, 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 rapide, rapide, avec tes pieds! Collège pieds! Rapide, rapide, rapide! Très bien! Ouf! Sauvé! Mira, je le disais! Ouf! Sauvé! Mais non, je manque! Avait sido muy rápido! Je vous avais été rapide, rapide, rapide! Attention, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, 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 il y a encore des choses toutes noires, j'ai peur, allez, comment la fait? J'ai peur. Ferme les yeux. Oh, non, non, ça a brassé, non, c'est tout noir, n'ouvre pas. Allez. Si, ahora sí. Oh, ¿quieres ver los que no habéis sido muy valientes? ¿Quieres ver lo que había? Mira, pero rápido, Quelle horreur, vite, je referme. Non. Allez, on continue?
On y va. Attention. Ah, de nouveau tranquille, tout seul. Je vais pouvoir de nouveau faire des cercles et des cercles et des cercles. Oh, qu'est-ce que c'est? Une porte. Très bien. Et de quelle couleur cette porte? Vous savez pas comment on dit? Rojo, oui, mais en français. Rouge, très bien, rouge. Alors attention, vous vous souvenez comment on fait? Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Allez, un, deux, trois. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? A ver. Oh. Bueno, no habéis gritado lo suficiente, no se han abierto. Attends! À trois! Un, deux, trois. Toc, toc, toc! Il y a quelqu'un? A ver. Ouh! Pues es que a lo mejor habéis gritado demasiado fuerte. Ahora lo vamos a decir muy despacito, muy bajito. À trois. Un, deux, trois. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Oye, esto no se abre nunca. Yo ya no sé cómo hacerlo. Otra vez. Normal. Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Un, deux, trois. ¡Uy! ¡La puerta es ouverte! A ver, es ouverte, mais y a rien. Se ha abierto, pero no hay nada. Pero puedo seguir mi camino. Hop, y continue, continue, continue. Tourne, 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 tourne. Oh! Que c'est ça? Un feu de circulation. Et il y a écrit stop! Attends! Hay que esperar! Attends! Et il nous dit qu'il faut compter jusqu'à 10 pour que le feu rouge passe au vert et on puisse continuer. Si? Vais a contar hasta 10? Si? Venga, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ouais, on peut passer! C'est bon, passez, 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 passez! Bravo, il est devenu ouvert! Génial! Allez, on y va! Siempre, hay que esperar que sea verde, hein! Siempre! Il continue son chemin, son chemin. Et je crois qu'on arrive au bout. Oh, wow, magnifique! Regardez comme c'est joli! Et de nouveau, il faut tourner, 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 tourner. Bravo, c'est terminé de tourner. Et attention, oh là là, il y en a plein. Maintenant, on te dit, il faut le faire. Tu cours, avec les pieds, comment tu cours? Et là, il dit, tu sautes, saute, 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 saute. Et après, il dit, tu voles, vole, vole, comme un petit papillon, vole, vole, vole. Oye, ¿te acuerdas de la canción de Vole Vole? La vamos a cantar, que hoy hay tiempo de sobra. Un, deux, trois. Vole, 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 papillon, au-dessus de mon village. Vole, 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 papillon, au-dessus de ma maison. Très bien! Oye, sí que te acuerdas. Génial. Et voilà, on est arrivé à la fin. Il est arrivé. C'était génial, pas vrai, de promener avec le petit point jaune? Et trotte, trotte la souris, mon histoire est finie! Bueno, ¿os ha gustado? Sí? Último cuento? Venga, un último! Un autre! Un autre! Un autre! Un autre! A ver, a ver! Pues he traído otro de cocina, porque me imagino que como tenéis mucho tiempo, pues estoy segura de que estáis cocinando en casa con papá y mamá, que sí. Sí. J'espère que vous avez fait des crêpes. Espero que habéis hecho crêpes, sí. Sí. Les bonnes crêpes, c'est délicieux. ¿Qué más habéis hecho? A ver, des gâteaux, pasteles, sí. Pasteles. Vous avez fait du pain perdu, torrijas, pain perdu en français. C'est délicieux. Vous savez qu'il va faire ce petit garçon? Vous voulez l'histoire du petit Alex? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on reste assis, hein, de nouveau, les yeux ils sont grands ouverts, les oreilles sont grands ouverts, la bouche fermée, les bras croisés, très bien, venga, último cuento. Alex, qui veut aider son papa et sa maman à préparer à manger. Oh, regardez, il revient du marché. Coucou. Il revient du marché, Alex, et il a racheté de la salade, des tomates, des œufs. Oh, il est très content. C'est lui et celle qui va préparer à manger. Eh oui, si, 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 c'est lui qui va préparer le repas. Génial. Mais avant, il va s'amuser. Regardez, il est dans sa chambre, il joue avec les camions, brum, 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 brum. Il joue avec son petit chien qui le regarde. Voilà. Il est super content, il s'amuse comme un fou.
Et d'un seul coup, on entend Alex. Ah ouais? Alex. C'est son papa qui l'appelle. Et Yamashu, papa qui l'aide. Et il dit j'arrive, ya boy. Comment le dis? J'arrive, j'arrive. Très bien. Mais avant, antes que le café, il faut ranger tout le bazar. Et que voilà, tout le désordre. Non, il range vite. Poum, 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 poum. Rapide, rapide, rapide. Moins rapide. Et il va se laver les mains. Alors ça, vamos. Lo tienes que saber de sobra. Y más esos días. Il faut se laver les mains. Et on se lave les mains avec du savon. Avec du savon. Y estoy segura que conocéis esta pequeña poesía para lavarse las manos. A ver si la recordáis. Y si no, pues, oye, es una oportunidad para memorizarla. Mira. A ver, el savon, ¿eh? D'accord. Frotte, frotte avec du savon. Frotte, frotte pour que ça sente bon. Au revoir les microbes. Bonjour les mains propres. Vale, espero que ya a partir de hoy os lavéis las manos cantando esta bonita poesía, ¿sí? Alors, il met du savon et il frotte les mains en haut, en bas, entre les doigts, partout, partout, partout. Tu vois? Ça sent bon. Vous avez bien lavé les mains. Génial. Et ça y est. Il arrive et il aide son papa à découper le fromage. C'est délicieux le fromage. Et après, il met tout dans un bol et il met la table. Si? Alors, pour mettre la table, qu'est-ce qu'on met? On met les assiettes. Très bien. Et pour manger, on utilise les mains? Non, on n'utilise pas les mains. Non, non, c'est comme con las manos. Non. Quand on va dans un restaurant, non, hein. Quand on va à cenar un restaurante con las manos, non, hein. Alors, on utilise la fourchette, très bien. Attention que la fourchette, ça pique. Et on utilise le couteau. Attention que le couteau, ça taille. On utilise pour boire de l'eau le verre. Très bien. Est-ce qu'on met le color verde? Vert, vert. Parce que c'est pas l'effet. Si? On utilise la serviette pour se frotter la bouche et les mains. Et voilà, hein, le sel, le poivre. Et là, on a du jus d'orange. Mais c'est mieux. Vous savez ce que je mucho mejor el agua? Comment j'ai fait l'agua en français? L'eau, ouais, c'est facile. L'eau, L-E-O, non, L-E-A-U. Mais c'est prononcé à l'eau. L'eau, facile. Et voilà, la table est mise. Oh, et regardez ce qu'il a mis. Des jolies fleurs. Ah, ça c'est joli là, hein. Les fleurs pour manger, c'est merveilleux. Ces fleurs, c'est merveilleux. Et ça y est. Alors, pour préparer à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer la salade. Primero limpio la lechuga, la salade, y nettoie. Après, il faut découper. Estáis listos? Découper les tomates. Venga, découper les tomates. Hay que cortar los tomates. Très bien. Et maintenant, il faut découper l'avocat. Aguacate, l'avocat. Très bien. L'avocat, on découpe. Et on mélange. Allez-y, mélange. Très bien. Ça y est, tout est mélangé? Oui. Et maintenant, regardez. C'est délicieux. Il a fait ça dans du pain. Vous savez, ça c'est comme les repas mexicains. Est-ce que los mexicanos? Dans du pain, il met la salade, les tomates et l'avocat. Comme los tacos. Comme on dit, c'est délicieux. Et c'est facile. Además, es muy fácil de hacer en casa. Si quieres hacerlo un día para cenar, super facile et délicieux. Et il y a son papa, sa petite soeur, sa maman. Ils sont très contents. Et bien, qui est también? Le chien. Et oui, ben, le chien aussi, il mangeait content aussi, le chien. Et qu'est-ce qu'on dit? Comment j'ai fait qu'approvecher? Bon appétit. Très bien, bon appétit. Et trotte, trotte, la souris, mon histoire est finie. Pues oye, que tengas un sábado maravilloso en casa. Ya sabéis, podéis cocinar con papá y mamá, podéis escuchar muchos cuentos. Espero que estéis todas y todos muy bien en casita, jugando mucho, aprendiendo mucho. Y espero que acabe pronto esto para poder veros en la biblioteca. Miles de besos virtuales, miles de abrazos virtuales. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. A très bientôt. Au revoir.